J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le jour 4 du calendrier. Il est 6h. Bon, j'ai dormi 3 heures de plus. Ça c'est le chat. J'ai dormi 3 heures de plus que quand je me lève d'habitude. Donc c'est déjà pas mal. Donc on va commencer par le... des songes. Ah, ça sent fort, on dirait du réglisse. Et j'aime pas le réglisse. Donc on pourrait ça, on va ouvrir cela. J'avais compris. Donc, on va prendre notre caisse. Un 9. Petit œuf Kinder. Là, je suis encore en pyjama à 6h. Du 4. Ah, il est là. Ah, on a une tablette Mika. C'est un thé vert au citron. Bon ben, on voit même pas l'écriture. Le pire, c'est que moi j'ai l'impression que c'est hyper lumineux. Sauf que au rendu vidéo, j'ai l'impression que c'est hyper sombre. On va essayer de deviner c'est qui. Attendez, parce que j'ai une réclame. Je suis sûre que ce soit Harry ou quelqu'un comme ça. Ah, c'est du devant de cartes. C'est quand il signe des dédicaces dans le 2, au tout premier, cette nuit. Donc, attendez, je puisse vous montrer. On va
Donc, je vais bien vous montrer ce du chat, c'est ça. L'empire des anges, c'est ça. Thé vert au citron. Le petit Monica. Petit Kinder. Donc, on va passer au dernier truc. On ouvre ça. C'est une maison que j'ai déjà eu un truc comme ça. C'était la dernière fois, c'était une bougie potion. Donc, là. Ouais, c'est dans le même style. Marqué Red. Je vois, c'est la même chose qu'on a. Par contre, je veux bien que ça fasse, on va dire Harry Potter, parce que c'est, enfin, c'est la forme d'une potion. Mais. Ah, oh, il sent trop bon. Donc c'est fraise, je pense. Du coup, j'ai chopé celui de l'an dernier pour vous le montrer. Il était blanc. Et c'est le... Je pense pas que ce soit le même fournisseur. Ah oui, c'est vanille, je pense. Donc sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Elle a été tournée, je crois que c'était novembre, il me semble. Donc sur ce, tout de suite. Donc on se retrouve pour ma wishlist de Noël. Du coup, je viens de la faire parce qu'ils la veulent. Du coup, je me suis dit que j'allais la filmer dans la foulée. Et normalement, je devais commander un... Et ça peut être une idée aussi pour vous. Pour ceux qui viennent d'emménager, demandez des objets qui peuvent vous être utiles. Moi, j'ai déménagé il y a un an. Mais du coup, il me manque un mini congélo. Ça coûte cher, mais je vais le demander du coup pour. Je voulais le demander pour Noël, mais finalement il y a trop de trucs qui sont sortis cette année et c'est le bordel. Du coup, pour éviter que je paye, parce que disons que vous allez voir, ça fait une somme. Du coup, le congélo, je vais demander pour mon anif. Donc, en premier, j'ai marqué le CD de Luan. Il s'appelle Sentiment et il est sorti là. Ensuite, le concert de Slimane, bah, il est sorti enfin, quand je tourne le 2. Donc, vous le verrez, je crois, le 4-5. Pour là, on verra. Ensuite, il y a plein de romans de Lisa Gardner. J'en ai plein déjà, je dois en avoir au moins une dizaine. Mais j'ai pas le C'était moi. Arrêtez-moi. Retrouvez-moi, il y a beaucoup de moi, N'avoue jamais et on se meurt que deux fois, c'est des romans policiers. Ensuite, il y a un autre roman qui est de Neil Gaiman, Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Je sais pas où il est l'autre. Ah, il est perdu quelque part. Ah, je crois qu'il est là-bas. Et Les secrets de Dumbledore en livre. Parce que le CD de Luan, je sais à peu près, ça doit être 15-16 euros. Le concert de Vita, de Slimane, ils ont tellement fait du haut que j'en peux plus. Le concert Slimane, je pense 35 euros. Imaginez, les romans, au moins, ils doivent coûter 6,95. Donc ça en fait déjà 2, 4, 5. Donc imaginez.
Plus le livre de Neil Gaiman, souvent ça doit coûter 17, vu que c'est des gros. Et Dumbledore en livre, il coûte 21. Donc au final, imaginez si j'achète tout ça. Au début, si c'était par exemple que le CD, je me le serais payé, mais là, je tourne. J'ai tourné la vidéo du 3. Parce que du coup, faut que je l'envoie parce que ça dépend. Peut-être que du coup, il y en a qui préfèrent faire par internet et que faut compter l'envoi. Il est où le livre de Nid? J'ai l'escapebook. Où est-ce qu'il est? Perdu. Là, j'ai le livre de Ben. Et ben j'en ai aucune idée. Parce que... Non, là c'est bien les romans de Noël. Ah, je crois savoir. UV6, calendrier. C'est que j'en ai... Enfin... Je réveillais mon jeu. Ah, y avait-il... Mais je crois pas que... C'est quoi que j'ai? Franchement, je sais plus. C'est qu'il là, je le vois pas. Pourtant, je l'avais. Je crois. Je l'avais bien lu le premier. Parce que il me semble bien que c'était une histoire. C'est peut-être que je confonds avec un autre, mais je crois pas. C'est mes sucres à J'attends juste qu'il soit connecté. Donc, du coup, mais oui, je crois que je l'avais demandé, celui-là. C'est celui-là. Attendez. C'est celui-là, je l'avais bien. Il me parle. Oh. C'est que... Du coup, certains, j'en planque derrière. Je parle derrière ma bibliothèque. Parce que... À voir, ça passe plus. J'essaie de... Je sais même pas où il est passé. Ça, c'est grave. Parce que là-bas... Attendez. On va tous les faire si jamais je les ai. Donc j'ai... sans filtre avec du jus Fiquette. J'ai 28 ans d'angoisse de Nolito, survivant des réseaux sociaux de Jeremster, la vérité, toute la vérité. Jeremster, c'est la biographie officielle. J'ai Bilal Hassani Singulier, j'ai le journal d'un youtubeur de Sonaneo, j'ai Sonaneo et l'empereur des ombres, si seulement de Chris Marquez. J'ai The Ender Chronicle, donc c'est une variante de The Sand. J'ai plein de romances de Noël. J'ai Heartbreaker, j'ai Les 5 After, j'ai l'After Before, Prude Franche, Les 50 Nuances, Les 3, Les 365 Jours, Les 3. J'ai les deux. Ça me gâte. Les deux de Harry Potter, genre en version collection. Je regarde s'ils sont pas cachés. J'ai toutes les Lisa Garner. Darkest Mate. Harry Potter. Harry Potter et l'enfant maudit. Les animaux fantastiques. Les Quidditch à travers les âges. Du coup, j'ai les animaux. Je l'ai dit, les contes de Beetle le Bard,
Le livre de Ben HPTS, Les Sangs. Détective Conan. La pierre du remords, un assassin parmi nous, le noir est ma couleur, l'île du crâne, cette lettre, le cri avant d'aller dormir, évidemment, celle qui a tous les dons, les deux trilles, la tour des anges, le royaume du nord, le dernier exode, au-delà de la lumière, un sort si noir, si éternel, les Bloody Harry, les Scabbard, mais là, vous voyez que j'en ai pas d'autres. Je vais mettre ma main derrière. Je l'avais mis. Pourquoi est-ce qu'il est encore passé? Oui, oui. Je suis en mode exploration. À tout moment, je l'ai vendu et je me suis même pas rendu compte. Il n'est pas parti d'ici. Attendez. Parce que là, derrière, c'est les romances de Noël que j'ai pas lues. Celles que j'ai lues, elles sont là. Là, non. Et ben voilà. J'ai dû le vendre. C'est con. J'ai des envies. Peut-être pour faire de la place. Allez, mets-le bas. Bah voilà. Donc là, c'était une idée que vous pouviez avoir. Donc moi là, donc c'est sur les dernières sorties. Donc tout est récent. Le CD de Loan est sorti la... pas la semaine dernière. Il sort le 9. Donc vous verrez cette vidéo. Il sera même pas sorti, ça sera. Le concert de Slimane est sorti le 2. Les romans de Lisa Gardner, bon, ils sont sortis, mais disons que. Il faut un peu de temps pour acheter. Le jour où le soleil ne s'est plus levé, il est sorti, je pense, vers septembre, je crois. Et Secret Dumbledore, il est sorti quand, après le ciné. Donc, tout est une question. Pensant, je vous donne des idées comme ça, mais vous aurez les idées, genre si vous êtes en panne de cadeaux. Mais là, c'est simplement des idées vite fait. Non, mais j'arrête pas de bailler. J'en peux plus. Genre, il est 17h30. Bon, du coup, on va arrêter là cette vidéo. Si t'as plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Oh, j'ai dit la semaine prochaine. J'ai l'habitude. Donc, du coup, demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.